Ma mère était garde barrière, elle aussi. Ça, ça a commencé comme ça. J'adorais ça, regarder les trains. Et moi, le soir, que je rentre, qu'ils soient prêts dans le foyer. C'est pas beau, ça, mais... J'avais trois enfants, en plus. Plus deux de la DAS que je gardais. Ben, je courais plus qu'aujourd'hui. Et ils viennent toujours me voir. Ils font partie de la famille. Un jour, j'étais au boulot, puis il y en a une qui me fait... Qui en a vu Michel? Ben, tant mieux. Mais il était pas tout seul, hein, il était pas tout seul, donc il était avec une fille, ah bon, une copine comme ça que je fais. En fin de compte, c'était pas une copine comme ça. Donc il y a eu la séparation, le divorce, enfin, ou le chantier, quoi. Après, il y a le fils qui s'est foutu en l'air avec sa moto, enfin, bon, peut-être un an avant que je vienne ici. Je sortais en vélo dans mes cours, et puis en sortant, j'ai pas vu la voiture. 4 mois dans le coma, et le résultat est là aujourd'hui. Le 23 mai, 14h45, ma fille elle me dit, maman, il faudrait bien qu'un jour on prenne une décision d'aller dans une maison de retraite. Bah oui Nelly, je comprends bien, vu mon état. Si tu veux, on y va. Moi partante. On arrive donc dans cette maison de retraite. Elle me dit, tiens, il y a une porte ouverte, elle dit, on ira même visiter. C'est tout ce qu'il me faut, c'est pas bien grand, c'est impeccable. T'es sûre de ce que tu dis? Oui. Et tu restes là ce soir, c'est prévu. Quoi? Mais pour combien de temps? Pour toujours. Sans me prévenir. Ça fait mal. J'avais 7-8 ans. Je me faisais toujours battre. Et bien, j'ai dit, moi, je vais foutre le camp. Je veux aller sur la Lune. Mon père, il voulait que je sois infirmière. Mais j'ai dit, certainement, faut pas aller dans les bouses, hein. Alors j'ai dû mettre la main à la pâte. J'étais une paysanne. Mais j'avais de la chance parce que à côté de chez nous, ça appartenait à des châtelains. Et la châtelaine, ses enfants avaient un précepteur. Elle envoyait une employée me chercher pour m'apprendre aussi. Et ma mère, qui était très bigote, elle disait à mon père, « C'est bien fait pour toi, le bon Dieu t'a puni. Tu voulais un garçon, ben, il sera pas baptisé. » La sœur André, elle arrivait, elle me prenait par la peau du cou, et puis dehors, elle disait, « Tu profanes l'église. » J'ai été mariée une première fois, on avait acheté une maison. J'ai eu un petit garçon mort-né. Bon, j'ai dit, bon, ça va en avoir un autre, hein, je vais relever le défi. J'ai eu une fille, elle est née prématurée. Alors ma fille, elle a un petit problème psychologique. Et alors le père, lui, il n'a pas voulu accepter ça. Il y est cogné dessus. Et j'ai dit, toi, mon salaud, j'ai pris ma valise et puis je suis allée dans HLM au 9e étage. Je voyais le toit de ma maison. C'était chouette, hein? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps-là, ben, j'ai économisé et j'ai racheté la maison. J'avais mon boulot, une bagnole neuve, ma maison, j'ai gagné mon divorce, j'ai eu des dommages et intérêts. Ah ben, je me suis débrouillée, hein? Et puis, j'ai dit, c'est fini, hein? J'en veux plus. Et puis, il y a un médecin, il est arrivé avec un livre. Rustica, il y a une association pour trouver quelqu'un. Il a pris une feuille de papier, une enveloppe, un timbre, il a écrit Viviane, 50 ans, aide-soignante, ceci, cela. Puis il a foutu ça à boire. Oh ben, j'ai sacré bourrique. J'ai dit, je veux porter un chauve, genre Bill Clinton, c'est ça que je voulais. Puis tout d'un coup, voilà une lettre qui arrive. Bon, c'était bien écrit. Il y avait une lettre de motivation. Et il y avait un CV, c'était marqué « cadre supérieur ». Puis je dis, c'est pas pour mon chien, ça. Il doit être moche comme un cul, à tous les coups. Voilà la photo arrivée, je me suis dit, mais il est beau, hein. Il paraît qu'il ressemble à Richard Gere. T'es devenu mon mari. On a fait une belle maison, d'un mini château. Vraiment, t'es belle. Je dis, ah, mon loulou, parce que je voulais pas l'appeler André, la sœur André, au nom de Dieu. Et puis un jour, il a été vraiment malade, ils l'ont envoyé au Teille.
Ah, il avait envie que je vienne avec lui. Eh ben, je suis venue avec lui, mais je l'ai toujours accompagné tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai 67 ans. Je suis le cinquième d'une famille de 8 enfants. J'étais le cinquième à arriver là, en plein mois de décembre. À la maison, il n'y avait pas de route. Mon papa, il faisait une moyenne de 40 km à mobylette pour aller au travail. Il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Pour l'eau, c'était le puits mitoyen. Et pour s'éclairer, bah, c'était le feu de la cheminée ou la bougie. Matin, qui pleut, qui vente, on allait à l'école. On traversait par les champs. J'ai été marié. J'ai assisté à la naissance de mon premier enfant. Je pense que ça, c'est une très belle chose. Ah oui. J'ai eu le bonheur de pouvoir assister aux 4 naissances, mais la première, c'est sûr que c'est... Hein. On est divorcés. Madame a mis la maison en vente. Et c'est là qu'on a tout perdu. J'avais des problèmes de santé. J'avais été un certain temps hospitalisé, donc... Novembre 60, ma mère est décédée. Oui, j'avais 2 ans, j'ai pas connu ma mère. Mon père m'a un peu élevé en Normandie. Je suis revenu vers 15-16 ans, et après j'ai commencé à travailler les vendanges. J'étais sorti en... au mois de nuit, du copain. J'avais fêté la fin des vendanges, et j'ai bien dansé. Le chauffeur qui l'avait eu. On n'avait pas de ceinture, évidemment. On a fait 4 tours. Je me suis senti très mal. J'étais dans le coma. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Ils m'ont pas dit. Ils m'ont rien dit. Il était mort. Et celle de devant aussi. J'ai 65 ans. J'ai pas eu d'enfant, rien. Avant de venir ici, je faisais la tonte. Même traité autour des champs. Et c'est là que j'ai attrapé la maladie de la peau. C'est pour ça que je suis là, c'est tout. Même si je fais des amis, beaucoup. Il voulait avoir ses 80 ans. Je vais vous faire une station météo, des chocolats et un beau gros savon parfumé. C'est la dernière fois que je l'ai vu heureux. Le samedi, je l'ai rasé, comme d'habitude. Puis mon loulou, il est parti le 13 août. C'est pas vieux, hein? Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-bas maintenant? Si je prenais un petit studio. Et après, je me suis dit, oh, pour revenir dans quelques années. Je suis très très bien ici, je fais ce que je veux, c'est une nouvelle vie. Ah, c'est bien. C'est petit. C'est petit, ben c'est bien. C'est vieillot. C'est vieillot, oui, ben, c'est vieillot, pas mon dire. Une chambre de bonne chère. On est bien, très très bien. Très, très bien.